5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1. King Startup Academy, le courage d'entreprendre. Ça fait un an maintenant et me revoilà devant vous. Aujourd'hui, je ne vais pas vous pitcher mon projet, mais aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui s'est passé après que j'ai quitté cette salle. En fait, je vais vous rappeler à ce qui n'était pas là le jour de la finale, qui n'était pas là l'année passée. Je m'appelle Rodriguez José, je suis porteur du projet MyShop, aujourd'hui qui est une entreprise. Et en résumant, le projet MyShop est un mall virtuel. Le jour où j'ai fini 3e, j'ai quitté cette salle, je suis rentré chez moi. Tout le monde était fier de moi, en tout cas j'étais la star de la maison pendant je pense toute la semaine. Mais bon, personnellement, c'était la première place que je visais, mais bon, c'est pas grave. C'était la première fois que je faisais une compétition et voilà. J'ai fini 3e, à 16 ans, c'était déjà quelque chose de bien. Mais je me disais que le boulot était fini. Je me disais, bon là c'est tout, voilà quoi. Je suis un entrepreneur et voilà, on attend l'argent. Mais non. On est passé d'investisseur à investisseur. De somme à somme, j'ai commencé avec 20 000 $. À chaque fois que je disais oui, j'ai besoin de 20 000 $ pour mon projet, ils me regardaient au bout de cette table, ils me disaient mais t'as pas tout cet argent. Je me sentais petit. Déjà que je l'étais. J'étais très petit, mais je me sentais encore plus petit. Un autre domaine, et tout ça, tout le tralala. Je fais mon site internet. On commence sans que même mal, statut WhatsApp, diffusion dans les contacts et tout ça. Je pensais au mois d'octobre. Je suis prêt à quitter la maison. Non, je faisais déjà mes valises à côté. J'attendais le mois prochain pour dire à un moment, écoute, c'est bon. J'ai percé. Alors, au mois de décembre, j'ai pris des commandes. Je me disais que par magie, j'allais les avoir. Donc, j'ai mis des fournisseurs en Chine. Je me disais que ça allait venir le lendemain. Ça a pris un mois et demi. Et ça crée des problèmes parce que la livraison m'a échappé 45 minutes. Donc, quand je dis au client, j'arrive dans 45 minutes et qu'un mois après, je suis pas là, ça pose quand même problème. Donc on en a perdu des clients, on a eu des disputes, on en a eu des problèmes. Mais on a continué. 2019, on a commencé au mois de janvier, 420 $. Il n'y a pas de problème, on va encore rester un peu à la maison et on va travailler un peu plus. On a continué avec cet élan. Février, 320 $. Bon, ok, c'est pas grave, c'est juste 100 $ de partie. Pouf. On s'est dit, ok, faire plus d'efforts. Mars, 120 $, je me suis dit, bon, on arrête. J'ai pris du recul et je vous conseille, jeune entrepreneur, n'ayez jamais peur de prendre du recul, n'ayez jamais peur d'arrêter une semaine, d'arrêter 2 semaines, de réfléchir à comment faire pour s'améliorer. Alors, j'ai pris du recul, on a changé 2-3 choses. Aujourd'hui, l'entreprise est passée de MyShop à Usury. Nous avons lancé un nouveau site internet qui nous a coûté 2 fois moins cher, qui a 2 fois plus d'options. Et aujourd'hui, ce mois-ci, nous sommes au mois d'avril, j'ai pu faire un chiffre d'affaires de 750 $ à peu près. Et voilà. Bon, je pense que le mois prochain, je vais quitter la maison. Startup Academy, le courage d'entreprendre.